Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ciné Bédélité. Aujourd'hui, je vais juste vous faire une vidéo sur le Festival de Sète de 2020 qui a eu lieu au mois d'août. Alors le Festival de Sète, la chaîne est nouvelle, donc je vais juste le rappeler, est un festival qui a beaucoup d'importance pour moi parce que je suis l'un des fondateurs. Et j'ai eu l'idée en 2012 de créer un festival sur la plage de Sète, le premier festival européen sur une plage. Et j'ai été aidé en cela de Sylvie Moreto qui était à l'époque libraire et qui vendait beaucoup de bandes dessinées, enfin une librairie spécialisée en bandes dessinées sur Nîmes, et Joël Alessandra qui a été le premier auteur à répondre favorablement et qui a été d'ailleurs le premier parrain de la première édition. Donc enfin, le premier parrain de la première édition. Donc aujourd'hui, cette année, c'était le 9e festival de BD, j'étais présent, je rappelle que j'habite quand même à quelques centaines de kilomètres de Sète, maintenant je peux pas y aller chaque année, j'étais présent, j'ai fait quelques images, et je souhaite en musique, disons, vous présenter un petit peu le festival de BD qui l'année prochaine fêtera ses 10 ans et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues, alors je vous invite à rester tout de même à l'écoute. Je précise qu'à la fin de la vidéo, je vous présenterai un auteur qui est en fait un auteur amateur de bande dessinée puisqu'il est dentiste et c'est quelqu'un qui a énormément de talent et je vous invite à le suivre et à l'aider sur ses projets, mais vous le verrez à la fin. Merci et au revoir. Alors les organisateurs du festival. Bonjour Paul. Bonjour, comment ça va? Très bien. 9e édition déjà. Ça tourne, hein. Ça passe, hein. Ça passe, ouais. On a bien de la chance, là, le soleil est sorti cet après-midi. Ouais. On a failli tout arrêter. On savait pas, entre le Covid, le mauvais temps, et puis finalement, on est toujours là. Finalement, il y a pas mal de monde de chance. Alors, un autre organisateur du festival. Bonjour. Dès la troisième année. Absolument. Ils ont repris, j'allais dire avec brio, parce que franchement, quand je viens, je me dis c'est absolument incroyable. C'est pas trop mal. Est-ce que nous t'avons fait honneur? Ah, plus qu'honneur. Emmanuel. Plus qu'honneur. Voilà. Je dois avouer que plus qu'honneur. C'était quand même un de tes rêves d'enfant. Oui. D'avoir de la BD sur la plage. Oui. Ici, on est maintenant sur un budget entre 15 et 20 000 euros. D'accord. Voilà. Ouais. Mais puis c'est... Il y a tous les barnums, il y a les... vendredi, ouais. Après-midi. Ouais. On a la soirée VIP. Là, c'est un petit groupe d'auteurs avec peu de... Alors ça, c'est une prestation payante. Mais ça, c'est ceux qui ont financé sur Ulule? Non, Ulule est autre chose. D'accord, ok. Là, c'est ce qu'on appelle, nous, la journée VIP, où les dédicaces privées. Voilà. Ça permet, en fait, vraiment aux gens qui sont passionnés, qui ont un peu de budget, voilà, d'avoir un après-midi beaucoup plus dédié rapport au fil d'attente, etc. Donc ça commence du vendredi, maintenant on a même une animation avec la médiathèque, puisqu'à l'occasion de la sortie d'un des 7 à 8, hein. 7 à 8, ouais. On a fait un partenariat avec la médiathèque, et ça a très bien marché, 50 personnes environ pendant le truc. On a des ateliers enfants, alors un atelier par jour qui se passe là-bas pour les enfants jusqu'à 12 ans. Alors, je vais faire une main droite. Ça tombe à bien, ça descend un peu vers le couloir, donc on va rajouter les doigts. Et ça, c'est ça. Et on va rajouter le pouce. Le pouce, c'est là cette partie-là, et là aussi cette partie-là. D'accord ? On fait des ateliers réguliers pour les enfants le samedi, ouais. Le dimanche. Alors là, cette année, ça va être Serge Carrère qui est en train de le faire en ce moment, et Dimat,
qui est une dessinatrice, le fera demain. Voilà. Donc maintenant on a figé cette... Ça c'est une bonne chose. Hein. Normalement on fait aussi une soirée festive, le samedi soir, sauf que la soirée festive, là c'est un petit peu compromis avec cette année. Avec le Covid, ouais. Voilà. Mmh. On a préféré faire l'impasse. Mais on a été obligé de faire l'impasse. On a été obligé de faire l'impasse. Ouais. Préféré, je crois que tout le monde aurait préféré que ça y soit, mais à l'obligation, c'est ouais. C'est pour ça que là on avait prévu un groupe cubain, hein, c'est ça, de Colombie, plus exactement, avec 12 musiciens. Je pense qu'on aurait eu de l'ambiance, tu vois, mais là c'était pas possible. Là, avec le Covid, ouais. En parlant avec les gens du public, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui venaient du nord de la France exprès pour le festival. Absolument. Là cette année, c'est un petit peu particulier encore une fois à cause du Covid. Mais sinon, on a des Belges, on a des Allemands, on a des Néerlandais qui viennent spécialement pour le festival. Souvent pour voir un auteur précis, ouais, ouais. Comme Willem, voilà, ou Margerin, parce qu'il ne faut pas non plus des festivals toutes les semaines. On a souvent beaucoup d'Européens qui viennent. Cette année, on n'en aura pas. On n'aura pas non plus trop de, comme tu peux voir sur la plage. Ouais, c'est un peu vide, mais... On n'aura pas beaucoup de touristes, parce que c'était quand même une part importante du festival. Mais parce que la Saint-Louis a aussi été annulée. Aussi. Je pense que ça ne favorise pas le... Pas que la Saint-Louis, toutes les manifestations ouais. Étaient annulées. On doit être une des seules qui résiste. Je pense que c'est bien.